Bonjour, en fonction de votre position géographique. Voilà, ailleurs, il fait 15 jours, mais ici, voilà, c'est déjà la soirée. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez très bien, le volume est bon. Voilà. Bonsoir particulier. Bonsoir. Voilà, content de voir les miens. Lydienne, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ah, Small Nobisi, bonsoir. Adé, moi c'est Adé, un anglais combi. Je suis là, toujours et toujours. Mais ce soir, on va faire le deuil. Vous savez, derrière toute cette vanité terrestre, il faut toujours opposer à la haine, l'amour. C'est très important. C'est très, très important. Il faut toujours opposer à la haine, l'amour. Et c'est des valeurs cardinales qui nous permettent d'être structurés, d'être équilibrés, d'être en harmonie avec les forces cosmiques et de tenir face aux adversités. Les gens peuvent raconter n'importe quoi, dire n'importe quoi, nous médire, mais lorsqu'on a saisi l'amour, nul ne peut nous débranler. Il faut toujours rester dans cette démarche. Mais lorsqu'on aime, il y a toujours ce souci de laisser transparaître la vérité. Partout où on se trouve. On ne doit pas farder la vérité. La vérité doit être notre life motif. Il faut défendre la vérité contre vents et marées. Même si les gens ne comprennent pas votre démarche, le temps, qui est le seul maître, qui est le seul réparateur, fera votre triomphe. À tous ces vautours et ces charognards politiques qu'ils veulent instrumentaliser le deuil d'un grand homme. Oui, c'est un grand homme. Parce que les grands hommes ont aussi leur humanité, ont aussi leur faiblesse. La vie est faite des hauts et des bas. Mais ça ne doit pas enlever l'amour. Que nous avons pour l'autre. On doit toujours, même si on peut être dur, mais on doit que l'amour doit tout le temps être au centre de nos relations. C'est très important. On peut devenir agneau selon les circonstances. On peut aussi devenir lion selon les circonstances. Et en fonction des circonstances, et les circonstances de cette soirée, de ce vendredi, doivent nous permettre de devenir des agneaux. Parce que l'heure est au recueillement. Mais si hier nous étions des lions, c'est parce que ce qui nous est cher, des charognards et des vautours politiques ont voulu pervertir la vérité et la réalité. Mais nous, on ne peut pas permettre ça. On ne peut pas accepter. Maintenant, que ces charognards et ces vautours, la boucle, nous, on veut faire notre deuil. Donc, si tu es ici, là, dans ce direct, que tu es venu accidentellement, je te donne quelques secondes et tu disparais. Parce que ce n'est pas fait pour toi. Toi, tu dis que nous, on est hypocrites. Ok. Laisse donc notre hypocrisie s'exprimer ce soir. Que nos larmes apaisent notre chagrin.
Ouais. Donc si tu es ici, que tu es venu par éruption, ce soir, nous on pleure. C'est qui ça? Il y a quelqu'un qui dit toujours apprendre, toujours précipiter à prendre la parole. C'est qui ça? Stéphane, il faut apprendre à garder le silence face à certaines choses. Piment Kamel. Peut-être tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Peut-être tu ne me connais pas, tu m'ignores. Bon, je te laisse parce que tu n'es pas quelqu'un qui vient provoquer. Mais écoute, écoute. Je ne sais pas ce que tu appelles précipitation, qu'il faut de la retenue. Laisse-moi te dire, ce que tu appelles retenue pour certaines personnes, c'est l'hypocrisie. Si certains ont observé la retenue, c'était l'hypocrisie. Mais ils savent et ils sont conscients que ce que nous avions évoqué était vrai. Et il le fallait. Ah oui, si tu appelles ça qu'il faut la retenue, peut-être tu ne sais pas. Si on n'avait pas prévenu notre combat ou notre résistance devait prendre un coup. Donc je suis désolé. Il y a des situations qu'on n'a pas besoin d'être silencieux. Même comme je crois à l'éloquence du silence. Même comme je crois à l'éloquence du silence. Mais il y a des situations où le silence participe à la complicité, à la conspiration. Donc je ne pourrais pas me taire. Et tu ne peux pas me dire me taire sur des sujets aussi sensibles et importants pour le cas de notre combat. Aie peur pour ta vie, n'aie pas peur pour moi. Calme-toi. Si toi, tu as des comptes à rendre, si toi, tu es dans des histoires bizarres, des complicités, des amitiés, les nous autres, on s'en fout de ça. On est loyal envers ceux qui sont loyaux. Si tu es loyal, je suis loyal. Tu es déloyal, je suis aussi déloyal. Aussi simple que ça. Donc calme-toi, calme tes esprits. Tu as peur de papa Kamto, que ça va retomber, ouf. Que ça va retomber, ouf. C'est ça. Tu as peur que ça retombe sur papa Kamto. Il a vaincu plus que ça. Laisse ça, ce n'est rien. Tu as peur de quoi? Laisse. Si tu veux passer ton temps ou bien faire plaisir, changer ta personnalité, tuer ton authenticité et ton originalité, parce que tu veux faire plaisir à nos adversaires, tu t'es trompé. Eux, ils sont dans une démarche. Leur démarche, c'est que Maurice Kamto Bamieke ne sera jamais président de la République. Et donc, si on peut trouver toutes les stratégies pour l'éliminer politiquement, on va le faire. Donne-nous pas pitié. Toi, tu es là, tu joues bon cœur. Joue bon cœur, mon frère. Moi, je joue pas bon cœur. Tous, ils savent que Maurice Kamto est tout, sauf être piètre politique. Ils savent que c'est un homme politiquement accompli. Ils le savent très bien. Mais ils sont dans leur rôle. Eux, ils n'ont pas de morale. Ils n'ont pas l'éthique. Ils n'ont pas de probité. C'est des gens qui excellent par le machiavélisme politique pour pouvoir exister. Ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas d'humanité en eux. Donc, si tu perds ton temps à dire que ça va tomber sur Maurice Kamto, ouf, tu n'as rien compris. Maurice Kamto t'a dit qu'il a besoin de toi pour son assise et sa notoriété. Maurice Kamto t'a dit que lui, il a besoin de nous. Pour ça, il fait son chemin et nous, on fait le nôtre, c'est tout. Il n'a recruté personne. Il sait prendre la parole quand il veut. Il sait prendre position quand il veut. Il sait faire ses sorties. Ce n'est pas nous. Donc, c'est une fausse excuse de croire que nos sorties
et nos déclarations font ombrage à l'homme politique Maurice Kamto. Ouf, je suis désolé. Surtout que nous autres, on n'appartient à aucune chapelle politique. C'est tout. Nous là, on observe la scène politique et nous analysons toutes les entités politiques. C'est ça. Et maintenant, nous on a décidé de ne pas analyser tout le monde. Parce que la plupart sont des rentemplants. Nous on analyse ceux que nous estimons qui contribuent à l'édification de notre société. L'éducation d'une société meilleure. Et pour le cas présent, dans toutes mes recherches, hein, et dans toutes mes recherches, etc., mes regroupements d'informations, il est l'homme politique dont je peux étudier et que j'apprécie la démarche. C'est pour ça que je peux parler de lui matin, midi, soir. Il ne commande pas de le faire. Et je ne suis pas obligé de le faire. Mais je pense que nous autres, notre rôle, c'est d'amplifier son discours et sa démarche pour que ceux qui sont encore sceptiques, qui sont ballottés par une certaine manipulation, qui sont renfermés dans les logiques bizarreries qu'on ne comprend pas, nous avons donc l'obligation d'exercer l'électrochoc sur ces personnes pour qu'ils comprennent que voici le message pour libérer le peuple camerounais. Vous avez une offre politique qui se différencie de tout ce qu'on vous a présenté par ailleurs. Mais cette autre politique a son originalité. C'est que la personne qui incarne ces idéaux n'est pas seulement un homme spécialisé dans... C'est pas un technicien de la parlotte. Mais non seulement un technicien de... Mais c'est quelqu'un qui associe, qui met en adéquation ses dires et ses actes. Et c'est pour ça que nous le célébrons. Donc calme-toi, ça ne met rien, ouf. Même si on ne dit pas, on ne parle pas. Ils vont fabriquer, toi tu n'as pas vu. Ils ont fabriqué des choses. C'est Mesanga Nyamdi qui avait fabriqué une histoire, non? Qu'il a défenestré quelqu'un, est-ce que c'était vrai? Pour l'attaquer. Mais comme la nature ne dort pas, mon corps, Mesanga Nyamdi, lui-même, il lit l'heure. Il croyait bien faire, aider ses amis politiques. Mais aujourd'hui, il est l'heure. Il est l'heure. Même comme nous, on a pitié. Ce sont nos cops. Quand il revient, on dit, tu avais fait l'erreur. On lui rappelle ça tout le temps. Et moi, je m'aime particulièrement. Parce que même si tu dis que tu es proche de moi, je te rappelle, matin, midi, soir, que ça, tu t'es mal comporté. Mais ils nous font des confidences aussi. On parle pas trop. Donc calme-toi. La personne de Maurice Kamto ne souffre de rien. Et il se porte bien. Et le président Maurice Kamto fait son deuil. Tandis que vous aviez une bande d'individus. Ceux qui ont créé nouvellement des partis politiques qui veulent enseigner les cordes de la politique à la nouvelle génération dont nous sommes. Des bandits comme ça, des gangsters. Voilà des gens qui ont inauguré l'immoralité politique. Oh, je veux ma part, je veux ma part. Oh, je veux ma part, je veux ma part, je veux ma part. Je m'en fous du peuple. Hein, je veux ma part. Hein, je veux ma part, je veux ma part, je veux ma part. Je veux ma part. On te dit le peuple est devant. Tu dis, je veux ma part. On te dit lutte pour libérer le pays. Je veux ma part. Je m'en fous des autres. Je m'en fous de Popol. Tout ce que je veux ma part. Pardon, donnez ma part. J'ai tellement, tellement faim. Oh, donnez ma part. Je veux ma part. Oh, Cameroun, je m'en fous de vous. Je veux ma part, je veux ma part, je veux ma part. Cameroun, vous pouvez mourir. Oh.
Je veux ma part, je veux ma part, je veux ma part. Oh, je veux ma part, c'est tout ce que je veux. Je veux ma part, papa, popo, je veux ma part. Oh, je veux ma part, je veux ma part, je veux ma part. Oh, je veux ma part, oh, oh, je veux ma part. Voilà des gens comme ça qui viennent nous enseigner, qui veulent inaugurer l'immoralité politique. Et vous dites à Stéphane Dubois de se taire. Vous êtes des malades. Ouf, vous êtes des malades. On va se taire. C'est grave. Les gars s'en vont pour saluer la famille. Quand on donne le pain, saucisson à l'ail, une tasse de café, le gars arrête seulement la photo. Il dit tout à l'heure, je vais dégainer un test. Les talibans et leurs maîtres, ils ne seront pas de nous ce soir. Nous allons les attaquer. Et tu me dis de me taire. Ouf. Aie pitié de ta vie, mon cher frère. Laisse notre vie. Hein? Laisse ma vie. Moi, je suis grillé depuis. Je suis mort depuis. Laisse-moi. Même le père Kamto que tu vas avoir pitié, lui, il est grillé depuis. On dit que Richard Bonafé, oui, il a fait reggae. Parce que c'est des gens qui n'inspirent pas respect. Écoutez, les vrais hommes, je dis, hein, nous allons pleurer cet homme, Maurice Kamto. Voilà un nom. Propre. Vous avez instrumentalisé son mouvement qui ne passe pas. Mais ça ne peut pas empêcher cet homme de pleurer son frère et ami. Il ne l'a jamais vilipendé. Il a toujours été respectueux. Le souci de Maurice Kamto, c'était juste de restaurer la vérité. Il n'a donné d'ordre à personne, à qui que ce soit. Tout au contraire, le 21 juin, il sortait une note pour demander aux gens de ne pas se perdre dans leur sortie. En tout cas, néanmoins, à ceux qui se revendiquent de son mouvement, il interdisait. Donc, si vous pondez, hein, un communiqué dans le fait de lui dire qu'il ne doit pas être là, il s'en fout. Ça ne peut pas empêcher l'homme de pleurer son frère. Et ce matin, nous avons été tous surpris que Maurice Kamto continue de pleurer son frère Christian Pendaikoka. Il a sorti une originalité. Non seulement c'est un juriste international accompli, un professeur, un économiste, oui. Quelqu'un qui songe à être à la tête d'une nation de plus de 27 millions. Nous découvrons encore que c'est quelqu'un qui a en lui le sens de la poésie. Et pour exprimer ses mots, pour exprimer son chagrin face à la disparition de son frère et ami de combat, proche à lui, Christian Pendaikoka. Malgré que vous aviez quelques petits rentampants politiques qui me existaient de par le décès de son ami, Maurice Kamto continue les pleurs. Ce qui a été, a été. Ouh. Il a convoqué la dimension métaphysique pour expliquer les choses, l'existence, le néant. Il a convoqué beaucoup de manière philosophique. Il a exprimé sa douleur. Donc je vais prendre le soin de nous le lire pour nous. Et d'exprimer ce que j'ai compris, parce que c'est difficile, oh.
Ces choses, on ne comprend pas ça. Sauf l'auteur sait de quoi il est question. Mais nous, on va aussi s'exercer de comprendre un peu ce qu'il veut dire. On sait aussi décoder. Oh, je veux ma part, je veux ma part, je veux ma part. Je veux ma part, si le peuple veut me. Je veux ma part, je veux ma part, je veux ma part. Oh, je veux ma part, je veux ma part. Ce qui a été, a été. On doit se reconnaître depuis l'avant-monde, là où prend racine ce qui n'est pas encore. Les destins s'unissent avant même de naître. La mission précède toujours les premiers pas. Qui connaît l'intérieur de notre lutte, c'est la transcendance de nos pensées, l'étendue de l'espérance. Le premier paragraphe, l'auteur dit que avant que le monde ne fût, nous existâmes déjà. Donc avant que le monde même ne soit... Oh, il a convoqué la spiritualité. Moïse Kamto. Comme t'as dit ce manaba, wowo. On doit se reconnaître depuis l'avant-monde. L'avant-monde. Donc il entre dans le cercle des dieux. Là où prend racine, ce qui n'est pas encore. Donc il dit dans la dimension immatérielle. Lorsque les choses ne se sont pas encore matérialisées. Il dit que les choses s'unissaient dans la dimension immatérielle déjà. Donc, il y avait un destin, un plan déjà préétabli dans la dimension immatérielle. Où les destins s'unissent avant même de naître la mission. Les destins s'unissent avant même de naître. Donc avant qu'on soit matérialisé sur la surface de la terre. Il y avait déjà des choses qui se passaient dans le monde immatériel. Donc ce n'est pas le fruit du hasard. La démarche du professeur Maurice Kamto. Ou de Christian Penaikoka. Donc avant que le monde ne se forme, ça avait déjà été travaillé dans la dimension immatérielle. Donc il y avait une mission providentielle qui était confiée à Maurice et à Pinda. Donc avant qu'ils ne naissent, avant qu'ils ne prennent la forme sur la dimension matérielle, il dit ici que la mission était connue. Donc, les dieux savaient qu'à une certaine époque au Cameroun, ces hommes poseront des fondements pour la libération de notre pays. Hey! Maurice Kamto, Nabadouro, comme Kem t'a dit souvent, comprend la dimension dont la mort pour lui n'est pas une fatalité. Donc ceux qui veulent instrumentaliser la mort de Penaikoka pour des coups politiques, Maurice Kamto dit dans ce paragraphe qu'il faut comprendre que avant que nous ne naissions, avant que nous ne prenions forme humaine, notre mission même était déjà là. Était connu. Nous avions une mission. On devait matérialiser notre mission sur terre. Et ensuite, tu comprendras non par la suite que aussi vrai que la séparation physique peut faire mal, mais il exalte cette dimension. Par les œuvres portées par cet homme. Il n'y a pas meilleure façon de célébrer un être humain. C'est la dimension.
Tandis que ceux qui sont affamés, qui expérimentent la 17, cherchent le saucisson, père à l'ail, pour nous insulter, raconter n'importe quoi. Ce type est dans... Il est dans une dimension cosmique. Pour intégrer, pour accepter la séparation physique de son frère. C'est quelqu'un. Ah! Le professeur a compris où? Il est pluridisciplinaire, ce monsieur. Hein? Papa! C'est fort. Hein? C'est un théologien même. Il nous explique des choses. Il a fait la spiritualité. La mission précède toujours les premiers pas. Donc, quand tu viens, il y a une mission. Tu as une mission providentielle qui t'est déjà assignée avant que tu ne viennes à l'existence. Ça veut dire que Christian a fini sa mission sur terre. Ah! Kanto, tu es trop fort. Donc, pour Kanto, la mort là n'est pas une fatalité. Oui, ça fait mal. La séparation physique, ça fait très mal. Mais maintenant, il faut prendre ça avec beaucoup de philosophie. Il faut comprendre que celui qui a été son créateur l'a envoyé pour une mission. Et la mission est finie. C'est le plus important. Donc, son créateur l'a rappelé. Et toi, tu veux prendre sa mort? Que nous sommes qui? On peut tuer quelqu'un. On a la puissance pour éliminer. Ouf, on est qui? On peut tuer. Écoute donc, Ramto. Il te dit que la mission qui a été assignée, hein? Penaa accomplit sa part de mission. C'est pour ça qu'il retourne vers l'immatériel. Qui connaît l'intérieur? La mission précède toujours les premiers pas qui connaît l'intérieur de notre lutte. C'est la transcendance de nos pensées, l'étendue de l'espérance. Deuxième paragraphe. Oh, torche allumée de la côte océane. En toutes choses se croisent nos rivières dont les cours unis se déroulent le long de cette terre endolorie. Papa, c'est la dimension. Sauf en la vallée de l'âme où susurrent dans les cœurs disposés les murmures des ordres de Dieu. Oh, torche allumée de la côte océane. Écoutez, nous qui avons fait un peu de géographie, on dit que les fleuves, les rivières, etc., tous se rencontrent dans un bras pour rejoindre l'océan. C'est là où tous viennent s'échouer, viennent mourir. Il dit donc, pour ceux qui ont observé, oh, torche, quand vous êtes à l'océan, quand le soleil veut se coucher là souvent, ou bien non, comment je vais même expliquer ça? Il y a une lumière à l'extrémité, mais oh, torche allumée de la côte océane. Donc, ça, c'est le Dieu observateur qui observe nos mouvements, notre trajectoire. Donc, ici, il rappelle à Dieu qui nous observe, qui nous regarde. Il dit, en toutes choses se croisent nos rivières dont les cours unis se déroulent le long de cette terre endolorie. Donc, les rivières et les fleuves se baladent sur la terre endolorie. Le dictionnaire nous dit qu'endolorie veut dire douloureuse, méchante. La terre méchante et douloureuse. Donc, il dit ici que nos rivières, nos vies, dans les coups, hein, les bras où s'impantent les rivières, etc., unis, se déroulent le long de cette terre endolorie. Il s'est dit, nos vies, dans cette terre douloureuse, cette terre de souffrance. Toi qui nous as envoyés dans cette mission,
nos vies qui représentent des rivières. Lorsque nos coups, nous nous baladons dans, sur la surface de la terre, sur ces chemins, sur cette terre douloureuse, qui expérimente chaque jour des souffrances, on essaie de poser nos empreintes là où nous passons, afin de nous retrouver à l'océan. Donc, il explique la trajectoire de tout être humain sur la surface de la terre. Donc, ici, il dit le passage de chaque individu sur la surface de la terre doit être marqué par des empreintes qu'il laisse et après repart à son créateur. C'est pour ça qu'il a dit, oh, torche allumée de la côte océane. Donc, de l'autre côté de l'océan, qui est Dieu, où nous, les rivières, nos vies, nous viendrons encore vers toi. Mais avant de venir sur toi, nous avons laissé les empreintes sur la terre douloureuse. Quand il dit endolorie, je vous ai dit, le dictionnaire nous dit endolorie, veut dire douloureuse, terre de souffrance. Mais on a laissé nos empreintes. Mais quelles sont ces empreintes? Le bien que nous pouvons apporter à l'humanité. Le combat que nous pouvons mener. Et Christian Benekouka a mené son combat. Le peu de temps que la Providence lui a donné sur la terre des humains. Et c'est ce que le professeur dit. Qu'il a fait son parcours. Il a laissé les empreintes. Donc, et sur ce chemin, en laissant des empreintes, il y a donc des rencontres. Les cours se rencontrent. Vous vous rencontrez. Et sur ce chemin, il a rencontré Christian. Dont les cours unis se déroulent le long de cette terre endolorie. Dont les cours unis se déroulent. D'ailleurs, mutualisation. Ils ont mutualisé leur énergie, ils ont fusionné leur énergie pour apaiser les souffrances et les douleurs du peuple camerounais dans la compréhension de la libération. Et ils précisent, sauf en la vallée de l'âme, ceux qui lisaient la Bible là, on parlait de la vallée de la mort, non? C'est dans ce coin là où les gens aimaient réciter ça. Oh, l'âme de la mort, la vallée de la mort. Était... Oui. Quand il parle ici, sauf en la vallée de l'âme, il parle ici le siège de la mort. Il parle ici là où se reposent nos âmes. Donc, après avoir marqué nos empreintes le long de ce trajet, où on a mutualisé nos énergies pour faire comprendre le bien fondé de notre combat. Merci Marie-Antoinette de Somme 133. Il dit bien le seul endroit où nous ne pourrons plus le faire. C'est dans la vallée de nos âmes, dans le siège de la mort. Pourquoi? Parce que là-bas, nous avons accompli notre mission. Il s'agit d'être à cet endroit, mettre à disposition notre cœur pour écouter les louanges venant des orgues de Dieu. Comprends ça. Donc il dit que ce qui le console, que ne pleurons plus, Penda se trouve maintenant auprès de son créateur. Il est apaisé. Là-bas, il est encadré par des chants d'orgue de Dieu. C'est un instrument, l'orgue, dont il est bercé parce qu'il a fait sa part de mission. Donc il est bien. C'est nous qui avons des problèmes. On se discute encore. On cherche encore pour nous.
On ne veut pas ma part. Mais lui, il est là-bas, tranquille. Il a accompli sa mission. Tu as compris? Donc, quand on ne voit pas derrière la mort de Pendekoka, il ne voit pas la fatalité. Il comprend que Penda a accompli sa mission et il passe se reposer auprès de son créateur. Aussi simple que ça. Donc, quand toi, tu viens nous attaquer, on a fait ouf. Tu es idiot. Maintenant, moi, là où ça m'intéresse, parce que moi, j'aime la polémique. À l'épicentre de nos vies, troisième paragraphe. À l'épicentre de nos vies. Donc, au milieu de notre vie, là. Pendant la vigueur et la vivacité, à l'épicentre de nos vies, a pris siège, fripouille. La fripouille. La fripouille. Mazembe. Les Mazembe. Comprends ça comme ça. Ceux qui connaissent. Qu'on t'appelle les Mazembe. Il dit qu'au milieu donc de nos vies. Hein? Tandis que nous amenons par nos vies, par nos énergies, à apaiser les douleurs, les souffrances des humains sur la terre. Que durant ce combat, a pris siège la fripouille, les escrocs, les malhonnêtes. Tu entends ça? Troisième paragraphe. Donc il dit que, tandis que nous avons été sélectionnés par la nature, pour apaiser les souffrances et les douleurs sur la terre des humains. Autour de nous, la fibrouille, les escrocs, les chabas, les gangsters, les mécréants, tout ce que vous connaissez, ils ont pris siège. Les gars sont venus avec des chaises, s'asseoir. Hein? Les malhonnêtes, c'est eux, ils viennent dans des dents. Ils ne parlaient pas avec le défunt. Ils avaient une distance, une séparation idéologique depuis la nuit des temps. Mais le jour où le gars meurt, il dépose une photo, il met là. Moïse, quand on dit, ils ont fait siège, la fripouille, ces escrocs, ces malhonnêtes, ces gangsters. Ceux qui ne peuvent même pas exprimer un peu d'humanité et de bonté. Ils sont venus prendre siège. Tandis que nous souffrons, nous pleurons. Nous sommes peinés par la séparation physique d'un des nôtres. Oui, c'est quoi? C'était un des nôtres, non? Oui. Même s'il y avait d'accord, il y avait des accords, c'était un des nôtres. Ouf. Toi, tu viens parler de quoi? Donc, quand on dit que tandis que nous menions ce combat, ils ont pris siège, ils sont venus s'asseoir. Les escrocs, les malhonnêtes, les mécréants, les rentemplants politiciens, tous ces bandits-là. Oui, vous avez vu sur la toile. D'autres disent, je suis Christian Pendekoka aussi. Les bandits, des sorciers comme ça. Oh, ils étaient dans une séparation idéologique incroyable. Ils n'ont jamais aimé. Mais aujourd'hui, comme on veut tuer politiquement le frère et ami de Maurice Kamto, les gars l'ont ressuscité subitement, alors qu'ils avaient disparu. Aucun projet politique. Tout le projet. Comment faire pour abattre Maurice Kamto? Mais il les reprend avec une dose de poésie. Kamto, Nabad Wobo. À l'épicentre de nos vies, a pris siège la fibrouille. L'oblation du mensonge a relevé la chimère. Oh, non. Il dit l'oblation du mensonge. Et ça veut dire quoi? Il dit la gratification du mensonge. Donc, ici, là, le mensonge comme un don.
Les gars ont pour mensonge le don. Non seulement ils sont malhonnêtes, escrocs, tous là, bandits. Le mensonge coule dans leurs veines. Ils ont été gratifiés du mensonge. Mais il dit, ça a relevé la chimère. Il dit, malgré le zèle de tous ces gens que vous voyez, ces petites gens, ces escrocs, ils les appellent la fille prune. Le blason du mensonge. Donc, ils prennent le mensonge comme réalité. Ils gratifient le mensonge. Le mensonge est un don en eux. Il dit que ça a relevé la chimère. Moïse Campo dit que ces gars sont vaniteux. Ouh. Moi, c'est la partie là qui me plaît. Ça a relevé la chimère. L'illusion. Les illusionnistes qu'ils sont. Ça a relevé le manque de substance. Les personnes déshumanisées, dépersonnalisées, ça a exposé la peine et la honte qu'ils sont. Quelqu'un m'insulte. Quelqu'un raconte n'importe quoi à cause du pain saucisson et de la tasse. Jusqu'à l'étape, il dit qu'il raconte pas n'importe quoi, il a la vérité. Tu as quelle vérité? Idiot. Mouf. Mouf. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Le père est fort, même dans la poésie. Il répond tranquillement. Il tape sec. C'est tout cela qui gesticule autour de la mort de son cher et ami Christian Benekouka. Oh, quel homme. Comme toi, tu es un homme. Dans la fripouille, quand on se bat, ils viennent et s'asseyent. Le mensonge coule dans leurs veines. Mais ça a relevé la petitesse, les petites gens comme ça. N'importe quoi. La racaille. La racaille politique du Cameroun. Ouf. Vous donnez le dégoût. Vous faites même vomir. Heureusement. Que au milieu de tout ce brouhaha politique, il existe un individu qui marque la différence. Et ça, il vous tape sec. Le dernier paragraphe. Nos mains ardentes jettent dans les champs en friche les volets de semences pour les temps à venir. Qu'elle croisse dans l'humus et le ronce et se souvient toujours qu'aucune graine n'aura choisi là où elle est tombée. Tu entends ça? Tu écoutes ça? Nos mains ardentes jettent dans les champs en friche les volets de semences pour les temps à venir. Qu'elle croisse dans l'humus, les ronces et se souvient toujours qu'aucune graine n'aura choisi là où elle est tombée. Quelle parole philosophique. Il dit que, hein, pour ceux-là, qui connaissent, qui ont un peu expérimenté, hein, qui ont fait de l'agriculture, comme cet agriculteur, lorsqu'il jette les semences partout, il dit en jetant ces semences-là, ça peut tomber sur de l'humus. L'humus, c'est quoi? C'est le repos. C'est la morgue. Hein? Voilà. C'est les cadavres des corps organiques et végétaux qui se mélangent et qui facilitent la fertilisation du sol. Donc, quand la graine tombe sur l'humus, elle a cette chance de produire parce qu'elle est fertilisée, elle est tombée sur un sol accessible. C'est un espace propice pour être élevé. Donc il dit que durant donc leur passage, c'est qu'ils sont en train de semer, que ce soit sur de l'humus, donc considère-toi comme l'humus, tu as un sol fertile,
Toi qui soutiens, qui porte cette vidéo, quand on dit que tu es un sol fertile, mais il qualifie aussi qu'il y a l'errance. L'errance, ce sont des terrains épineux. Ce sont des branches qui ont des épines, qui empêchent à la semence de produire, de germer. Mais il dit que personne n'a choisi, qu'aucune graine n'aurait choisi là où elle est tombée. Hey, c'est profond, hein? Et se souvient toujours qu'aucune graine n'aura choisi là où elle est tombée. Tu écoutes ça? Ça, c'est la dernière phrase. Il dit, il faut toujours se souvenir que personne, la graine qui nous représente, que aussi vrai, la graine qui nous représente, n'a pas eu le choix du sol où elle devait tomber. C'est comme ça nos vies. Donc toi qui es dans ce combat, qui est considéré comme une graine, Moïse, quand on te dit de par ta provenance, là où tu es tombé, soit dans un sol fertile, dans l'humus, ou bien ronce, sol épineux. En tant que graine, tu n'as pas eu le choix de décider. C'est une volonté de la sélection naturelle qui a voulu que tu te retrouves soit sur un sol avec de l'humus ou bien avec des ronces. Mais le plus important, c'est de comprendre la réalité des enjeux. Et que tu puisses germer au-delà de toutes les difficultés. Personne n'a fait le choix d'être camerounais. Personne n'a fait le choix d'appartenir à une tribu ou à une ethnie ou à une religion. Non, la religion c'est choix. Mais une tribu, on n'a pas fait le choix. On n'a pas fait le choix pour être camerounais. Mais le milieu dans lequel nous sommes tombés, même s'il y a des épines, nous devons tout faire pour germer afin de produire de la positivité au sein de nous. Donc il dit très bien que notre destin ne nous appartient pas. Nous n'avons pas fait le choix. C'est de la volonté de la sélection naturelle de nous déposer là où il veut. Mais il veut te faire comprendre, si tu tombes sur un sur de l'humus qui facilite ta fertilisation, c'est une grâce pour toi. Fais tout et tout, tu germes et que tu apportes de la positivité autour de toi. Si tu tombes dans un sol épineux, dans un sol où on retrouve des ronces, bats-toi pour germer et transforme cette réalité en bien pour l'épanouissement de notre société. Voilà l'hommage que Maurice Kamto rend à son ami et frère. Par cet hommage, il vient reconnaître que la mort n'est pas une fatalité. Il vient reconnaître que la mort est une réalité physique, métaphysique, matérielle, scientifique, biologique. Mais derrière cette réalité, il interpelle la dimension métaphysique. Oui, il nous fait comprendre que tout être humain
s'est retrouvé par la volonté de la sélection naturelle là où il se trouve. Mais le plus important, c'était de laisser ses empreintes autour de notre, au cours de notre parcours, sur cette terre douloureuse, sur cette terre de souffrance, et laisser ses empreintes pour le bien commun. Que actuellement, ça ne sert à rien de se lamenter ou bien d'instrumentaliser la mort d'un grand homme pour des fins politiques. Parce que ce grand homme, Christian Pendekoka, se retrouve auprès des dieux. Ou à l'instant près, il murmure au cœur de cet homme. Pas des ordres de Dieu, des chants qui lui rappellent l'éternité. Donc, chers frères, Maurice Kamto pleure son frère. Il le célèbre. Il a marqué son existence. Il a déposé son empreinte. Et ce qui sera bénéfique pour ceux qui se revendiquent de son mouvement, ce n'est pas de tuer politiquement son mouvement en faisant cette prostitution politique que nous sommes en train de vivre, qui nous chagrine, mais tout au contraire, de s'inspirer du parcours de cet homme pour pérenniser son combat. Je pense que fondamentalement, le combat de Christian Pendekoka, c'était de voir un Cameroun meilleur. Et il a fait, il a dénoncé ce régime. Il s'est mis en faux contre ce régime. Mais qu'aujourd'hui, on observe qu'il y a certains gangsters, charognards et vautours politiques qui aujourd'hui viennent se prostituer dans une collaboration incestueuse avec ses forces du mal pour tuer sa mémoire. Ça n'honore pas le défunt. La seule façon d'honorer le défunt, c'était de pérenniser son combat. C'est pour ça que je suis d'accord pour ceux qui pensent qu'après cet homme, si ce capital qu'il a laissé, si ce n'est pas bien géré, si les gens s'amusent à se prostituer avec ce mouvement, il va aussi disparaître du cœur des Camerounais. Parce que le combat n'est pas la personne de Maurice Kamto. Même si vous ne l'aimez pas, même si vous n'avez pas, le combat, c'est pour la libération du peuple camerounais. C'est le plus important. Il ne s'agit pas de vous armer contre la personne de Maurice Kamto. Lui, il a fait sa part. Il a fait ce que beaucoup n'ont pas fait. Maurice Kamto a permis à donner aux Camerounais une certaine conscience politique, une maturité politique à l'ensemble des Camerounais. Il peut en être fier aujourd'hui. Beaucoup se revendiquent de cet homme. Pas parce qu'il est Maurice Kamto, mais parce que derrière Maurice Kamto, il nous a démontrer l'intégrité et la cohérence politique qu'on peut avoir dans son discours, dans le projet qu'on porte. C'est pour ça que beaucoup l'aiment et les gens ne comprennent pas pourquoi. Il a cette cote de popularité. C'est que ce type nous donne des éléments de l'aimer davantage. Parce que le peuple camerounais a été sevré pendant plus de 25 ans d'un véritable opposant au régime de M. Paul Biya. Mais de par sa ténacité, sa véhémence, il continuait à s'imposer comme véritable alternative au changement dans ce pays. C'est pour ça que nous l'aimons. Et nous avons montré les faiblesses de l'instrumentalisation du tribalisme, de la négation de Maurice Kamto. Plus
vous êtes dans la négation de l'homme Maurice Kamto. Plus vous fabriquez des hommes qui conduisent à l'idéaliser, à l'aimer, à l'idolâtriser même à un moment, qui continuent de le salmodier. Vous renforcez sa masse critique, sa base. Vous renforcez ses soutiens. Et c'est ce que nous faisons. Nous l'aimons et nous continuons de l'aimer. Qui ne vaut pas. Il est otage du peuple camerounais. Qui se bat chaque jour pour goûter au meilleur de leur pays. Et personne ne peut l'enlever. Opposez tout ce que vous voulez. Instrumentalisez tout ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas enlever ce capital Maurice Kamto dans mon cœur. Impossible. Il aime le peuple camerounais. Il aime son pays. Il aime ses alliés. Il aime tous ceux qui aiment le Cameroun et qui se battent pour ce Cameroun. Et la démonstration en est parfaite. Malgré vos railleries, vos dénigrements, vos complots pour l'empêcher de rendre un dernier hommage physique, il se met au-dessus de la mêlée et continue son combat. Il célèbre ses frais d'armes. Et il a fait aujourd'hui. Vous n'allez pas fermer sa bouche. Donc, ceux qui ont peur, qui sont tordus, pardon, n'ayez pas peur de défendre la vérité en temps de circonstance. Ceux qui font comme s'ils sont très touchés là, une bande de bras cassés, de pieds nickelés, vous étiez où? Quand il était au fond, vous étiez où? Vous avez disparu. Vous étiez tous dans une conspiration du silence aujourd'hui. Vous venez à l'arbre de crocodile comme si vous l'aimiez. Quand il t'a dit, vous étiez où? Vous êtes pire. Je préfère le démon que je connais que l'ange que je ne connais pas. Vous êtes dangereux pour le bien de ce pays. Donc, peuple, calmez-vous. Ayez conscience. Tant que vous avez mené un combat qui est juste, dormez en paix. Vous avez compris. Ayez confiance. Personne ne vous ébranle. Personne ne vous effraie. Ne vous culpabilisez pas. Quand j'ai vu Piment Kamé, Stéphane Tchoumbo, il y a les choses qui font mouf. Le silence, peut-être qu'il peut être considéré comme le renoncement de l'esprit. Oui, c'est souvent dans des circonstances qu'on peut être silencieux, qui peut être un renoncement de l'esprit. Mais c'est face à des circonstances où ce silence exprime les choses dont nous ne disons pas. C'est là où le silence peut être intéressant. Mais il y a des situations où on ne peut pas rester silencieux. Lorsque la manipulation, la propagande va prendre le dessus au-devant de certaines réalités et va mettre en difficulté la demande et la cadence de notre révolution, on ne peut pas rester silencieux. Le silence devient une conspiration ou une trahison. Donc, à un moment, il faut rompre le silence pour restaurer la vérité. Et c'est ça qui manque à mer. Tu n'as rien compris. Il y a des situations où on est resté silencieux et où on peut rester silencieux. Mais il y a des situations, quand on regarde avec l'œil averti, nous sommes obligés d'exercer l'électrochoc pour restaurer la vérité. Et ça, tu ne peux plus nous parler de silence, qui est synonyme de renoncement à l'esprit. Non. Parce que les circonstances ne nous permettent pas de rester silencieux. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Il faut avoir de la sagesse dans tout ce que nous faisons. Il y a des choses auxquelles nous sommes restés
silencieux. On ne s'est pas exprimé. Pas parce qu'il n'y avait pas à dire. Mais notre silence. Parce que le silence aussi, c'est une expression. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre. Le silence n'est pas aussi innocent comme on le pense. Non. Le silence, c'est quelque chose de fort. Donc, Amen, calme-toi. On ne met pas en difficulté. Ces gars qui sont en face de nous, ils sont cyniques. Ils sont cyniques. Quand il y a moyen de frapper et lapider pour que la vérité soit restaurée, n'hésite pas. Même si tu dois être craché. Nous, on nous a vomi ici. Tout le monde. Je vois, les gens écrivaient partout, même dans les posts ailleurs. Tout le monde se prend pour qui? Un idiot comme ça. Il nous énerve. Le gars là m'énerve, il se prend pour qui? Ah! Même nos corps. Nous, on a les corps qui nous ont lâchés. Hein? Ils nous ont lâchés. Parce que nous, on a défendu la vérité. Mais heureusement, que les nous autres, nous, on n'a pas de combi. On s'en fout. Tu t'aimes, on te lapide. Kenneth, ouf, tu me donnes la vie. Mais on défend la vérité. Et c'est ça qui marque notre authenticité. On ne disparaît pas comme d'autres. Non. C'est ça. Et tant que ce combat sera chargé des hommes comme ça, ils ne pourront plus. L'imposture a trop prospéré dans notre pays. Il faut stopper. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Personne ne peut vous tuer. Personne. Sauf le jour où la sélection naturelle décidera que vous avez accompli votre mission. Et je pense que la sélection naturelle a décidé de rappeler son fils, Christian Benekuka. Donc, pour nous, sa mort n'est pas une fatalité. Il est retourné auprès de son père. Le plus important pour nous, inspirons-nous des actes qu'il a marqués positivement pour le combat, pour continuer et avancer avec force. C'est le plus important. Portez-vous bien. Je vous aime. En tout cas, il y a des nouveaux dossiers. Il y a des nouveaux dossiers. Les nouveaux dossiers. On laisse. Il y a quelque chose qui se passe demain. Moi, on va revenir avec des dossiers. Et vous allez donc comprendre que le combat, c'est adossé sur une certaine cohérence. Une certaine démarche. C'est pas la folie. Le combat, c'est pas le banga. Il faut qu'on explique ça avec des éléments. C'est important. Je soutiens encore la famille Kamo la Panthère, son frère Nia Barano, tous ses sœurs. Vraiment, vous avez tout mon soutien. Tandis que moi, demain, nous serons ensemble pour vous accompagner. Et n'oubliez pas que la grande fête, hein, l'apothéose de la résistance, c'est le 18. Va seulement prendre ton billet. Va prendre ton billet. C'est tout ce que je peux te dire. Va prendre ton billet. Moi, je ne fais pas trop de publicité. Va prendre ton billet. Vous allez voir ce jour que vous n'aviez pas fait un mauvais choix. De mener le combat pour la libération du peuple camerounais. Vous allez célébrer le vivre ensemble. On va montrer à ceux-là que les histoires que vous racontez dans vos Facebook, et on a les news, il y a des artistes. Il y a des artistes qui n'ont pas annoncé. Mais ils seront là. On a le topo. Les gars se cachent. Ils seront là, ils vont danser avec nous. Ils vont se créer. Ils n'ont pas encore prononcé. Mais il y a beaucoup d'artistes. Donc, où tu es là, tu mets ton combat, tu crois que les gens... Non, on ne te déteste pas. Beaucoup t'aiment. Beaucoup apprécient. Beaucoup sont d'accord. Mais contrairement à toi, ils ne peuvent pas assumer la position. Je peux comprendre. Mais les gars disent que le 18, ils seront là. Tu entends ça? En cachette. Il y a beaucoup d'artistes. C'est là où tu verras. Donc, celui-là était comme ça. Il est avec nous pour le combat, si. Tu vas voir ce jour. Paye seulement ton ticket. Ce jour, on va se gâter. C'est quoi? Bonne soirée. Je vous aime.